Bonjour, alors pour celles et ceux qui me suivent et qui des fois ont du mal à m'entendre, hier j'ai fait venir un pote pour lui demander pourquoi ça marchait pas bien au niveau des écoutes, etc. Il m'a dit un truc tout bête, il m'a dit que j'avais un matériel de merde. Donc et bien, comme j'avais fait donc la subscription pour l'anniversaire de Google, je lance la mienne pour du bon matos pour le Popos. Donc voilà, donc je vous mettrai un lien sous la vidéo pour celles et ceux qui veulent m'aider à m'acheter un peu leur bon matériel pour que vous puissiez bien m'entendre. Donc voilà, donc il y aura le lien. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre 1000 euros, vous pouvez donner 1 ou 2 euros, c'est pas très important. Et puis bah, si tu es Benoît et que tu habites Lens, donc n'hésite pas à me mettre un beaucoup plus. Donc voilà, sinon, comme on a pu voir hier, il y a eu un truc à 5 millions 4, puisque bon, la plupart des gens pensaient que Paul allait trouver le nom de la mystérieuse. Bah, que de lui, comme on dit. Sinon, alors, quoi d'autre aujourd'hui dans les 12 communes? Donc justement, Paul est arrivé à parler encore de Lara Fabian qu'il n'avait pas trouvé hier. Au coup d'envoi, la première question, par où les baleines inspirent ou expliquent-elles l'air? Donc c'était le rejoint, bien sûr, après vous avez vu des villes, 7 enfants qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce que le breadcrumb? Et bien c'est une technique de drague, après vous avez un ancien catcheur. Selon une étude, qui a le plus de chances de devenir un grand patron d'entreprise? Et bien c'est des gens qui sont nés entre mars et avril. Je pensais que c'était l'idée, parce que les gens, je sais qu'ils sont nés entre vélo, donc voilà, ensuite vous avez Vincent. Alors Vincent, 18 ans, quel DJ français a proposé et produit le titre Rolling Stone pour une farmer, donc c'est un fait d'air. Après, alors, Popopol, quel mouvement artistique contestataire créé par Tristan Tzara est né en 1916 en Suisse? Eh bien, c'était le dadaïsme, donc le petit chose de dadaïsme, donc c'est Marcel Duchamp de course, donc c'est pour celles et ceux qui connaissent le dadaïsme, donc bien sûr. Après, qu'a-t-on découvert dans le corps d'un crevette du Pacifique vivant à 6 km de profondeur, mais c'est une crevette. Donc, sur cette question, elle est passée en rouge, qui dérange le duel. Et la prévention en duel, qui est tombée sur une question assez simple, qui est chanteur néerlandais 39, 88, Manuela Forever, etc. Donc, bien sûr, ça n'est plus François. Ensuite, eh bien, Vincent, Paul et Olivier se sont retrouvés au coup par coup. Tout d'abord, c'est Olivier qui est passé à l'orange. Ensuite, bah, c'est